I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie.